là à l'aéroport Heathrow. Et donc c'est parti, je vous emmène à Phoenix. Je vais participer au mastermind de Jeff Walker dont je fais partie depuis bientôt 10 ans et aussi à son événement LaunchCon. Ça y est, je suis arrivé. 11 heures de vol quand même. En plus, l'avion est parti avec plus de 2 heures de retard. Mais bon, ça y est, je suis à Phoenix. Je prends un Uber, je vais à l'hôtel. Et voilà. Le jeu là, c'est de ne pas dormir avant minuit. C'est mon truc pour. C'est un de mes trucs pour lutter contre le jet lag. C'est que dès que j'arrive dans l'avion, je mets tous mes appareils à l'heure de là où je vais. Et je ne dors que si c'est l'heure de dormir là où je vais. Donc là, le jeu, c'est de pas dormir avant minuit. Ça va m'aider à me mettre plus vite dans le bain pour être en forme pour l'événement. Juste d'arriver, j'ai fait le check-in. Ben purée, il est pas mal cet hôtel. Donc là, il y a deux hôtels. Je vais à Phoenix cette année. Le premier hôtel, c'est celui où aura lieu le mastermind, c'est celui où je suis. Et le deuxième hôtel, c'est là où aura lieu l'événement. Et ouais, franchement, là, on va se faire plaisir. Ça va être très très sympa. Là, je viens de me réveiller, il est 8h du matin. Bon, la nuit était courte, hein, forcément, vu le jet lag de 7h qu'il y a avec Londres. Bon, il fait encore un petit peu frisky, il fait 15 degrés, mais d'après l'application météo, ça va monter à 30 dans l'après-midi, donc ça va être sympa. Et vu les palmiers, je me fais pas trop de mourons par rapport au climat. Bon, les amis, voilà, un bon petit déjeuner, là. Yes, avec... Ricardo! Non. Regardez ça. Quinoa, avocat, salade, que du bon. Bon, David, on va où là? On va faire du karting. Et pourquoi? C'est quelle occasion aujourd'hui? Parce que je suis vieux. C'est ton anniversaire! Yes! 45 ans quand même! Ouais. C'est pas tous les jours. Non. Et donc là, on va. On va faire du karting avec ça, mais non, ça va être sympa. Ouais. Non, on va faire du kart électrique, ça va être énorme. Du kart électrique? Comme dans Mallorca? Donc ce sont des karts électriques. Vous entendez, ça fait pas de bruit. Ça doit bien accélérer ça. Oh, mais regardez là, on est vraiment au taquet là. Je pense que je me suis un peu amélioré lors de la deuxième manche. Bon, David a gagné, c'est sûr. Ricardo, je pense que j'ai gagné. Ah bah c'est normal, attends, le mec, clairement, il est bon, il m'a bien tout. Non mais il vient ici tous les jours et il doit faire au moins 10 ou 15 tours. Guys, are you ready? Si
c'était vraiment une super expérience. Après, en termes de résultats, je suis 6ème sur 8 pour une première fois, c'est pas trop mal. J'en ai tué moins que tous les autres, tiens, c'est marrant. Par contre, j'ai fait. Pourquoi je suis 6ème? Parce que je suis mort qu'une fois, c'est ça. Donc, ça, je suppose que ça compte. Regardez un peu, on sort, c'est déjà le soleil qui se couche. Eh, c'est plutôt pas mal comme, comme vue. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Ricardo? Je pense que. Je l'expérience. L'expérience, quoi? Awesome. Alors, David, content de ta petite partie d'anniversaire? Ouais, c'est bon, pas besoin de faire de la muscu aujourd'hui. Bon, les amis, on va prendre la voiture là, ça va être sympa. Bon ben, apparemment, David, il a réservé tout le restaurant. Fallait pas, dude. Fallait pas. What the fuck? On fait pas les choses à moitié. David, à ton anniversaire. Happy birthday. Du saké chaud. Et ça, c'est du vin de prune. C'est un vin japonais. C'est extrêmement bon, très 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 sucré. Et ça se prend plutôt en apéro en fait. Et j'ai fait découvrir ça à David il y a quelques temps et t'es un peu tombé amoureux de ça quand même. Ah bah c'était quand? C'était à Miami en 2012. Ouais, ça, ça commence à dater, ouais. Yes. Ok, bon, je suis en tenue, on va faire un petit peu de sport. N'oublie pas les amis, il n'y a aucun succès dans la vie qui mérite que vous sacrifiez votre santé. Donc c'est parti. Bon. Ça fait là 3 jours que je suis arrivé et je commence à sentir le jet lag quand même pas mal. Hein. Je suis un petit peu crevé. Mais bon, on va essayer de tenir. Donc là, bah, c'est la première soirée de bienvenue. Voilà, on a différentes personnes qui commencent à s'assembler. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Ça va être cool. Yes. Wow. When I'm gonna be speaking in the video and saying, well, bon, bah voilà, quand on se fait un coup de b-roll, ça rigole pas. Hein. Moi, je suis avec mon iPhone. Là, on a le caméraman avec la super caméra. Là, c'est le premier jour du mastermind et je suis un petit peu en retard. Donc, on va se dépêcher un peu. Bon, ça va, tout le monde est un petit peu en retard, donc finalement, je suis à l'heure. Well, first, out of the 15 people I have right now, 11 are members of my course about content marketing. So. Bon, voilà, là, c'est la partie de la première journée, la soirée de la première journée. On va boire un petit peu et puis manger ensemble et échanger des idées, ça va être génial. Et regardez qui est là. Wow. Le seul, le vrai, l'incroyable. Comment ça va? From Brazil. Le Brésil. Du Brésil. C'est déjà le deuxième jour. La première journée, on a déjà eu pas mal d'échanges très intenses. Là, on va voir ce que ça va donner. Mais je le sens bien. On a terminé la deuxième journée, c'était très très intense. Là, on va aller à l'hôtel de l'événement, donc on va prendre le bus du groupe. Déjà, ça va être sympa, on va pouvoir brainstormer encore plus pendant 30 minutes supplémentaires.
Et voilà, on va aller au super méga grand hôtel et c'est parti pour le super événement de 3 jours. On a terminé le mastermind, ça c'est la soirée de fin de mastermind juste avant l'événement, donc on va s'amuser un peu. C'est le problème des États-Unis les amis, ça finit souvent très tôt. Là il est, remarquez, il est quand même bientôt 10h, mais bon le bar est fermé depuis une heure ici. Bon là de toute façon je me fais un défi d'une semaine sans alcool, donc voilà. Mais on est arrivé un petit peu trop tard, j'ai déjà plus de nourriture, donc on va aller au restaurant. You have coaches that you train yourself, yeah. And all right. Yeah, I have 4 coaches. Première journée du LaunchCon, il y a à peu près 1300 personnes. Ça va être intéressant. Vous regardez, il y a un visiteur imprévu ici. Des pommes, mes amis. Vous voyez ce que c'est d'être un rebelle intelligent. Là, on avait une table de 6 et on en a fait une table de beaucoup, beaucoup plus. Vous savez, Léo. Voilà, on est avec Sébastien là, on va démarrer une interview pour parler de son livre qui s'appelle Profession Entrepreneur Libre, le guide pratique pour gagner votre liberté en se mettant à votre compte. C'est la petite pause publicitaire, donc c'est parti pour l'interview. Donc voilà, c'est la fin de l'événement et du coup, bah, c'est la soirée de fermeture là. Pour tous les membres du Mastermind et de Victor. Et c'était super, franchement super, mais c'est pas pour autant terminé pour moi puisque demain il y a un autre événement. Bon, c'est un petit peu plus grand que ce que je pensais. On est à l'hôtel du deuxième événement où j'ai été invité un peu à la dernière minute puisque j'ai appris qu'il se tenait. Juste au dernier moment, et voilà, l'organisateur Brian Kearse a été assez sympa pour m'inviter, donc je vais pouvoir rencontrer Jay Abraham. Le séjour est terminé. En plus de Jay Abraham, j'ai eu le plaisir de rencontrer Joe Polish, qui est un très très grand entrepreneur, donc ça m'a fait très très plaisir. Et là, bah, c'est parti pour l'aéroport et de nouvelles aventures. Bon voilà, j'attends mon avion pour Miami, puis après de Miami, je vais à Santo Domingo en République Dominicaine. Voilà, j'ai passé à peu près 10 jours ici aux États-Unis. Franchement, c'était excellent, je me suis éclaté. Ça m'a permis de voir des potes, de rencontrer des entrepreneurs extrêmement inspirants et de repartir avec le plein de motivation, de nouvelles stratégies, tactiques, méthodes à mettre en place dans mon entreprise. Donc c'était vraiment génial. Donc c'est parti pour nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent, qui explorent le monde et qui rencontrent des gens extraordinaires. Ciao.